Gracias.
coup, d'un premier coup, il peut attraire en 850. Au moins, ils arrivent sur un 850, ils connaissent déjà l'utilisation de bateau. Donc, ils sont intégralement formés, ils connaissent ça la personne. Alors pour nous, on va être là, je pense qu'on va passer une bonne quarantaine de pilotes. Mamie, ça va plus vite. Ouais, parce que on va dire qu'avec les moteurs autonomes, maintenant on arrive à toucher d'autres personnes, d'autres partenaires. C'est la mode. Et puis depuis que nous, effectivement, on a mis 10 places en route, on a eu 350 baptêmes, 350 baptêmes, 5 personnes qui sont venues juste pour faire un baptême, et on dit on va piloter maintenant. C'est comme ça qu'on est venu. Là maintenant, le but c'est de faire venir les célébrités avec nous. On est les célébrités par les baptêmes. Le tout premier contact qu'on avait eu, c'était Jordi, parce que Jordi a trouvé avec nous en 2 litres. Et là, on a créé un contact avec quelques stars, mais on ne peut pas dire tout bon. Ouais. Tout se passe bien, c'est des gens très très connus, qui sont déjà dans le monde du sport, dans le monde de la chanson, et on espère avoir même des gens qui nous accompagnent. Moi, il y a 96, on avait emmené, j'avais emmené Jean-Pierre Castelli dans le monde. Et là, on va faire un peu plus pour le club, mais il y a quand même si on prend par exemple Jeff Wilson, qui est quand même un batteur, qui a été deux fois vice-champion nord-américain en F3000. On a eu comme star, on a eu Robert Reck qui a fait le 24 heures, qui est quand même maintenant un présentateur du moto. Quelques stars qui sont vraiment intéressés, on a Vincent Lagaffe. Le gros problème qu'on a avec les stars, c'est les problèmes d'assurance.